Eh bien, plop tout le monde, ici Taro, donc on se retrouve pour une nouvelle quête avec Bachar Dokar. Ici, ce n'est pas Frigost, il n'y a pas de place pour les touristes. Seuls les plus endurants survivent. Les autres n'ont qu'à rentrer chez papa et maman au lieu de nous faire perdre notre temps. Ce curé de nez. Des gens se plaignent de la disparition de leurs familiers ou de leurs montures dans le port, comme si j'avais que ça à gérer. Puisque tu n'en fiches pas une, ça te dirait de t'occuper d'eux? Ouais, pourquoi pas. Je t'ai fait la liste de quelques noms dont je me rappelle. J'ai d'autres choses à me souvenir que l'identité des Blanichards. Vois si tu parviens à retrouver leur bestiole. Même si ça ne m'étonnerait pas qu'elles aient fini en ragoût au sablon. Alors. Jean-Kevin, Tristan, Baxter, Romain Salor. Ok, donc Romain Salor le premier. Évite de traîner près du Far West, surtout la nuit. Le fantôme de l'ancien gardien du phare entend encore les lieux et s'attaque aux voyageurs imprudents en les jetant à la mer. Parlez de la disparition de son ami. D'habitude, j'attache mon sac cochère ici. J'étais parti passer une commande au capitaine Néré. Quand je suis revenu, mon sac cochère avait disparu. T'as vu quelque chose? Je crois avoir aperçu un nouveau boulos en rentrant. D'habitude, ce sont plutôt les phénix qui viennent chaparder de la nourriture. Un nouveau boulos. Ah, c'est les espèces de mini-dragons, je crois. Enfin, les bestiaux, là. Les reptiles. Ok, donc il n'y a rien ici. Eh ben oui, en même temps, c'est indiqué. C'est vrai que c'est indiqué, c'est vrai que c'est indiqué. Alors, Jean-Kevin. Je n'arrive pas à me faire cette habitude locale de manger et de pisser en même temps. Parler de la disparition de son animal. Mon imbécile de chacha s'est fait la malle pendant que je glandais aux apes. À tous les coups, quelqu'un l'a trouvé et se l'est approprié. Demandez si je me souviens d'un détail particulier. Non, par contre, mon chacha est facile à identifier. Il n'a presque plus de poils au derrière à cause des coups de pied que je lui flanque tout le temps. Jean-Kevin, tu maltraites ton animal. Buckster. Un membre de la famille Ster. Sais-tu pourquoi les Ekeflips sont les meilleurs au jeu? Ça n'a rien à voir avec la chance. C'est parce qu'ils comprennent et maîtrisent mieux la magie des cartes. T'as un animal qui a disparu? Pourtant, je le vois là. Ton machin, je sais plus son nom. J'avais complètement oublié. C'était une fausse alerte. Manny était parti déterrer un os. Comme tu le vois, il est revenu. Ah oui, justement, je m'étais amusé. Pour ceux qui connaissent, Manny le double dans Aventure. Il y a Manny le toutou et Manny le double. Quand toi, t'as pas d'animal. Ce sera un peu étrange. Et le dernier. Je sais pas si ça nous mène. Non, ça nous bouge que d'une case. Map. Alors, Tristan Batté. La corporation Parafiole emploie du monde pour escorter ses convois et protéger ses tamisseurs. C'est une bonne aubaine pour les aventuriers. Parler de la disparition de son humain. J'étais en train de me désaltérer lorsque j'ai entendu du bruit derrière moi. Quand je me suis retourné, mon tatouf n'était plus là. J'espère qu'il ne s'est pas aventuré tout seul près du Far West. Il paraît qu'on y entend parfois des cris lugubres à vous glacer les seins. Mon pauvre petit tatouf. Tu te souviens de quelque chose? J'ai cru qu'un lézard me surveillait, mais c'est sans doute mon imagination. Les animaux sont nombreux à venir se rafraîchir à l'ombre des cactus. Il n'y a pas de cactus encore. Oh, c'est quoi ça? Alors, inspecter la plantation de cactus. D'accord, mais avant, je veux savoir ce que c'est cette map. Attends, c'est pas... Non, c'est du sable, c'est du sable. Oh, si ça aurait été de l'or. Qu'est-ce que ça foutrait là? J'ai toujours eu un peu de mal. Bon, bref, c'est vrai que c'est pour le théâtre tout ça, mais les tas d'or qui sont entreposés partout. Ouroboulos intrigant. Disparaît sans vous remarquer. Prendre l'ouroboulos en filature. Ok. Il est passé à droite. J'avais tort. En haut à droite, à gauche. Je confonds la droite et la gauche. Génial.
Non, il est pas là. Un sac. Osman dit tout. Qu'est-ce que tu fais là? Écarte-toi de ce sac. Il est à moi. Même pas moyen de soulager une envie pressante sans se faire piquer ses affaires. C'est scandaleux. Fermez l'appartenance du familier à Tristan Daté. Quoi? Quel familier? Tu racontes n'importe quoi. Il a toujours été à moi depuis qu'il est tout petit. C'est une coïncidence, voilà tout. Ah, il est dans le sac. Ah, d'accord. C'est étonné qu'il fût enfermé dans ce sac. C'était pour le protéger du soleil, ça tape fort en ce moment. C'est quoi son nom? Il s'appelle... Oh. Alors, soulignez que ça peut être un drôle de nom pour un familier. Par les esprits, tu m'as démasqué. Voyons si tes aptitudes au combat sont à la hauteur de ta perspicacité. Oh, tu veux te battre avec ton familier. Mon pauvre. Regarde, comme les mobs, j'ai pas besoin de mes sorts. Ça tape plus fort, ça. C'est ça qui est fun avec un sacrieur contre des mobs qui ont largement pas ton niveau, c'est que t'as besoin que de 3 sorts. Ah, c'est fou ce gameplay, hein. Wow. Heureusement qu'il y a la refonte dans... attends, ils auraient porté ça. Je pense que ça va être un truc genre... mars. Février, mars. Osman Itou. Tu as un adversaire beaucoup trop carriasse. J'abandonne. L'emmener auprès de Tori Walker. Oh, ton Ouroboros nous accompagne pas? Sniff. Alors. Et à nouveau, il n'y a plus de musique sur ce jeu. Le shérif, c'est... Ouais. Alors, Bachar. Non, c'est pas toi. Ah d'accord, c'est intérieur. Je croyais que c'était toi le shérif. Alors, encore un dropic. Toki Walker. Ces terres regorgent autant de richesses insondables que de créatures mortelles. C'est un terrain de jeu parfait pour partir à l'aventure. Seulement, certaines menaces doivent être neutralisées au plus vite, pour permettre de garder une certaine stabilité. Si vous tombez sur quelques-uns de ces brigands, réunissez d'autres aventuriers, faites-leur mordre la poussière et ramenez-les-moi ici. Je m'occuperai de leur donner une bonne fessée. Livré Osman Itou. Alors comme ça, voilà le vilain garnement qui a enlevé les petits animaux. Il sait pourtant que ce n'est pas bien de prendre les affaires des autres. Je proteste, un animal n'est pas une affaire. C'est un être vivant et sensible. Je refuse d'être enfermé dans une cage comme une bête sauvage. Demandez où se trouvent les créatures enlevées. Je vais conduire Toki Walker dans une grotte où je les ai installées. Exigez des explications sur ses agissements. Les aventuriers exploitent leurs familiers et leurs montures sans aucune considération. Ils les voient comme de vulgaires instruments de puissance, oubliant que ces êtres affectueux ont des besoins et des sentiments. Et c'est pour ça, au passage, que... Voilà. Je suis un très mauvais maître de familier, c'est pour ça que j'ai arrêté. Écoutez la suite. Ces animaux méritent plus d'attention et ne devraient pas être contraints à assister ou participer à des séances de massacre de créatures à grande échelle organisées par le maître. C'est pourquoi j'ai voulu les installer dans un havre de paix. Je prends note. Alors, demandez la peine encourue par Osman Itou. Il va m'emmener où les animaux sont enfermés. S'il a dit vrai, il occupera une amende d'une grosse fessée cul nue et aura interdiction de s'approcher à moins de 10 km de tout familier ou monture. Ici, on ne plaisante pas avec la loi. J'espérais qu'il n'y avait aucun lien entre ces disparitions et la pénurie de viande de ragoût servie au Sabloun. Ouais. Genre chéri qui mange de la pizza, tout ça. Gobelet d'eau. Toi avoir soif, moi vendre pour pas cher. Ah, la quête est terminée. Donc sur ce, moi je vous laisse. Hein, c'était une quête assez rapide quand même. 9, bon, 10 minutes on va dire. Donc sur ce, bisous bisous les gens. Oh allez, on va faire le petit gobelin. Toi avoir soif, moi vendre pour pas cher. Un verre pour 10 000 kama. Le complimenter pour son magnifique chapeau.
Moi récupérer les sueurs avec grosse éponge, moins malin. Ok, s'indigner de son avance de tarif prohibitif. Hein. Sans eau, toi finir comme vieux raisin sec. Prix est raisonnable pour pas mourir dans le désert. D'accord, et maintenant en fait je vais vous poser une question. Éventuellement pour ceux qui s'intéressent et pour ceux qui sont encore là. Vous êtes dans le désert, il n'y a rien autour de vous. Qu'est-ce que vous prenez entre un énorme diamant qui vaut plus d'un million d'euros ou une bouteille d'eau? Qu'est-ce que, enfin, ou de l'eau. Autant d'eau que vous voulez, ou un diamant. Vous avez le choix entre les deux. Vous ne pouvez pas prendre les deux. Voilà. Donc, sur ce, l'avis est terminé. Bis bis, les gens.